C'est méchant. Oh, moi je joue pas. Bah non, c'est Zelda, hein. Bon alors du coup, on va se mettre à commenter quand même. Oui, puisque c'est commenté. Allez, pour l'instant, on a un avantage du côté de Marf. Un Marf qui joue comme le jeu l'indique, c'est-à-dire qui smash. Et ça passe. Pas tout le temps, mais ça passe. Zelkis qui rate son backer ou son AFA. Enfin, c'est l'AFA là, cette fois. Hop, la petite boule de feu qui sauve le Marf. Oh, la fa qui fait pas le spike, mais qui le fait juste après. Allez, ça c'était pas le tipeur, donc ça suffit pas. Allez, une stock d'avance, pile poil. Un Marf très prudent, qui se mouille pas trop, mais qui frappe fort, exactement. Il se prend des backyards de Zelda. Zelda qui a du mal à l'approcher, mine de rien. Une épée, c'est quand même impressionnant. Deux stocks d'avance, c'est rattrapable. Je crois qu'il fait même pas de contre en plus. Si, t'en fais quelques-uns, hein, c'est lourd. Vraiment au dernier round. Ouais, la TP de Zelda qui brûle Marf. Le petit jab. Le petit jab et la fa qui passe. Allez, Zelda. C'est quand même tendu de jouer contre un Marf qui est très très safe. Très très sale aussi. Voilà. C'est ce qu'on appelle du mind game, voilà. Le Marf présente son épée, la Zelda a peur. La double hit. Mais c'est Marf qui l'emporte. 1-0. 1-0 pour Félix donc. Hop là, ça on s'en fout. Sur B. Allez, on a un changement de perso du côté de Zelkis. Et on va tomber sur WarioWare. Alors là, ça va être compliqué pour Zelkis parce que le smash côté de main sur un niveau comme ça, c'est mortel. Voilà. C'est plus que mortel même, je dirais. Ah, on voit qu'il y a quand même une égalité en termes de smash côté. Il n'y a pas vraiment de priorité. Comme diraient certains, il n'y a que des hitbox. Et chacun son opinion. Et le premier contre de la partie, qui a pas suffi. Et je vais me faire charrier pour ça, mais la tension est à son comble. Les deux joueurs se cherchent.
Quel dommage, Falco est un peu trop lourd pour revenir si bas. WarioWare est quand même un stage qui est relativement, comment dire, c'est au niveau du bas, c'est assez vaste. On peut revenir de plutôt bas, mais pas non plus. Parmi tous les stages, je crois que c'est le plus restreint. C'est le plus confiné, c'est le plus petit, c'est un peu le Yoshi Story de PM. Allez, on a un combat de Forward Smash. Malheureusement, la pointe de l'épée qui touche, ça n'a pas d'égal. Allez, le grab, suivi du smasho. Ça observe. Ça fait des roulades sur destination finale. Ouh, le smash côté qui passe sur la dernière frame. C'était osé de charger le smash à fond là. Allez, le smash côté qui passe, égalité. Le matchup a l'air plus simple qu'avec Zelda. Ça se regarde, Zelkis qui tente une approche. Ouh, le smash côté esquivé. Ouh, le shine, on n'avait pas vu depuis le début. Si, t'en as fait un déjà ? J'ai pas vu, là. Et un partout ! Un partout. Un partout, c'est serré. En fait, ils veulent me donner du boulot pour faire les VOD derrière. Donc plus ça dure longtemps, plus c'est chiant. Allez, on revient sur destination finale. Mais cette fois avec Falco. Ça coach du côté de Marf. Les smash qui passent. Zelkis qui enchaîne bien, qui fait des bons combos. Ouh, c'était dangereux. Il aurait pu se faire punir très très violemment. Zelkis qui tente la voie des airs. Ouh, ça va être tendu, non, ça suffit pas. Allez, avantage léger pour Marf. Voilà, à chaque fois que je dis ça, la personne perd une stock. Égalité parfaite. Allez, pour l'instant, c'est Marf qui en prend plein la tronche. Zelkis qui enchaîne bien, qui fait des tout petits combos, mais c'est suffisant. Le forward smash. Le deuxième, non, qui passe pas. Oh, le down smash. Ce sera peut-être pas suffisant si. Ah, dommage. C'était. Il y avait de l'idée derrière cette esquive, c'est dommage. Allez, ça enchaîne. Ouh, le forward smash qui passe. On revient à une égalité. Zelkis qui donne sa stock. Je pouvais pas remonter, mais quand même, on peut le noter. Allez, légère avantage pour Zelkis. Qui est... Ouais, bon, ben avantage pour Marf. Je vais arrêter de commenter en fait. Allez, Zelkis qui enchaîne. Ada, Anna. Ouh, une bonne tech à l'instant là. Le back air, est-ce que ça sera suffisant? Oui, ça sera suffisant. Allez, dernier match, dernière stock. 31% pour Falco. Oh, c'était risqué de la part de Falco, mais c'est très bien joué. Ah, c'est pas suffisant. Et Félix qui sort Zelkis 2-1. Fair play de la part des joueurs qui se serrent la main. Bien joué à vous. Très bien joué.